Bonjour André Deschamps. Bonjour cher ami. Que vous faites une peinture live aujourd'hui pour l'Expo International d'Art Plastique de La Rochelle. Donc là on est dans les derniers jours de l'exposition. On vous a vu peindre un petit peu. Votre objectif, vous, quand vous peignez, c'est de faire transparaître plutôt une sensation, une émotion. Exactement, vous avez retrouvé le mot, je vois que vous avez lu mon CV. J'essaye de faire ressortir un ressenti de choses que j'ai vues et que j'interprète en fonction de mon ressenti, justement. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de carte postale. Et depuis que la photo existe, les cartes postales se différencient de la peinture. Pour vous, la peinture, ce n'est pas de la représentation, en fait? Non, pas du tout. Mon rêve, ça aurait été de faire de l'abstrait, mais je me suis entêté à faire de la peinture semi-figurative, comme faisait mon professeur aux Beaux-Arts, et voilà. Donc je continuerai toute ma vie comme ça, je pense pas un jour passer à l'abstrait, quoique. Parmi vos sujets, il y a pas mal de sujets vivants. On sait que là, il y a beaucoup de choses marines, mais il y a aussi pas mal de terrasses, de cafés, de lieux de vie, de lieux humains, en fait. Voilà, alors exactement. Donc, comme on est à La Rochelle, j'ai amené des bateaux et des carbets pour représenter la mer. Mon sujet, pas favori, mais celui que j'ai surtout peint, c'est des terrasses de cafés de nuit. C'est plutôt mon sujet principal pour rendre la lumière centrale et le sombre autour. Donc c'est rigoureusement ce que je n'ai pas fait ici. C'est vrai, oui. Même si de la même manière, vous avez commencé par peindre les zones claires en anticipant déjà que vous alliez les mettre en lumière, les mettre en valeur grâce aux zones sombres ensuite. Voilà. Bon, ici, ce sont les zones sombres que j'ai mis là qui font ressortir la lumière qui est au-dessus. Je crois savoir par indiscrétion que vous avez filmé le début. Et vous verrez que le début est très fade, très plat, alors que lorsqu'on ajoute cette zone qui est là, ça renforce la partie lumineuse. On va montrer ça juste là, effectivement. Je garde la structure qui apparaît sous la structure dessinée à l'encre préalablement, qui apparaît sous la première couche. C'est une structure que vous avez dessinée tout à l'heure, c'est ça? Alors c'est une structure que j'ai dessinée hier, parce que tout à l'heure, sous la pluie, pour la peinture à l'eau, c'est pas terrible. Mais vous aviez anticipé, c'est ça? J'ai anticipé, et d'ailleurs je me suis aperçu que il y a une tour ronde et il y a une tour carrée qui est derrière, et que cette tour n'a pas du tout le même aspect selon qu'on la regarde d'ici, ou de là où j'ai pris les croquis. Et ça change totalement le ressenti. Alors je fais vite, hein, parce qu'il faut avoir terminé rapidement. Donc aujourd'hui, effectivement, donc pour le live, vous faites vite. Vous faites aussi à l'acrylique, alors souvent vous peignez plutôt à l'huile, c'est exactement, maintenant je peins uniquement à l'huile. Donc j'ai repris mes acryliques et les réflexes de l'acrylique, qui sont des couches transparentes, contrairement à l'huile où les couches sont opaques. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc j'essaye de profiter des deux. Alors le meilleur outil, c'est le doigt. Ouais. Qu'on soit à l'huile ou à l'acrylique, ça reste le meilleur outil. Alors, une technique que j'utilise et que les spectateurs peuvent regarder, c'est que, bien qu'on ne soit pas l'été, j'humidifie ma toile au brumisateur. Pour ça, c'est chaud. Ça vous permet de retravailler les couleurs sans qu'elles sèchent, ça. Voilà, parce que celles-là, en un quart d'heure, 20 minutes, elles sont sèches. Donc si je les humidifie au fur et à mesure, je peux revenir dessus et les travailler comme de l'huile, en fait. D'accord, c'est ça. C'est vraiment pour retrouver un petit peu ce mélange que vous pouvez faire avec de l'huile et que vous ne pouvez pas faire avec l'acrylique, voilà. Si vous ne pouvez pas s'en faire. Voilà. Très bien. Donc quand j'aurai fait cette première couche, je prendrai du recul. Mm-hmm. Et je prendrai du recul pour voir un ensemble et pour essayer d'avancer un peu. Et là, j'ai quelque chose que je ne peux pas faire à l'acrylique, que je fais à l'huile, que je peux faire à l'acrylique, c'est un fondu. C'est un rendu dégradé ici. Je suis obligé de faire au couteau. Donc je vais revenir au couteau sur les tours pour faire un rendu dégradé. Donc là, ça me permet d'avoir un ciel à peu près travaillé. Il y a déjà du mouvement, ouais. Qui n'est pas assez blanc, donc je vais revenir. Hein, c'est l'avantage de l'acrylique, c'est que je remets une couche de blanc et c'est blanc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire aussi facilement à l'huile.
et déjà revenir sur les tours de façon à faire le dégradé, faire l'acrylique, le dégradé que je voulais faire et que je ne pourrais pas faire autrement. Et je laisse les traits de construction. Je laisse les traits de construction pour pouvoir revenir dessus sans trop me tromper. Voilà. Alors, vous voyez le doigt, hein, l'importance du doigt. Et je laisse volontairement les lignes de construction en place de façon à structurer l'ensemble. La mode est, soi-disant, à déstructurer, ce qui n'a aucun sens. Enfin, le mot n'a aucun sens. Mais ici, moi, je garde la structure de façon à ce que la toile finale soit toujours structurée par rapport au dessin. Très bien. Qui lui est rigoureux, le dessin est rigoureux, la perspective est respectée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais travailler d'après une photo, parce que sur les photos, la perspective est déformée. Tous les artistes reflètent par leur personnalité. Tous, il n'y a pas d'exception. Et moi, j'ai une toute petite personnalité, je suis très modeste, mais ce que je veux, c'est que ma personnalité transparaisse à travers mes œuvres. Je ne veux pas faire des cartes postales, ça ne m'intéresse pas. Depuis que la photo existe, je préfère faire une photo si je veux retranscrire un lieu. Et si je retranscris un lieu par la peinture, je lui apporte ma personnalité, c'est-à-dire que je le déforme et que je rajoute des scènes que j'ai vues ailleurs. Continue et ça peut durer plusieurs mois comme ça jusqu'à ce que j'arrive à une œuvre achevée. D'accord. Surtout à l'huile, ouais, parce que surtout à l'huile. On peut vous retrouver. Vous avez un. Je crois que vous avez une page sur Art Majeur. J'ai une page sur Art Majeur. Vous exposez peut-être bientôt aussi à Paris. Alors, ou... Oui, je vais faire 3 expositions à Paris à la Galerie Tuileries. Et puis ensuite, je vais organiser une exposition. Là, je suis également vice-président de l'Académie européenne des arts France, qui a décerné un prix à votre prestigieux salon. Et nous organisons notre 40e anniversaire en la Galerie de Nesle à Paris, mi-avril. J'ai les dates sur mon téléphone, mais pas en tête. Donc voilà. Si les gens qui sont intéressés, ils vont sur le site AEAF, comme Académie Européenne des Arts France.fr, ils auront tous les renseignements. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Je vais essayer de terminer quand même, ce serait dommage. Et encore 5 minutes et c'est fini. Ok, parfait. Bah, belle peinture à vous, belle créativité et au plaisir. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.